Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien dans votre vie. Nous allons parler des étrangers restés en situation irrégulière en Turquie pendant un certain temps. Lorsqu'on est resté en situation irrégulière en Turquie, est-ce qu'il est possible de prendre un permis de résidence? C'est ce qui va meubler cette vidéo. Il est important de comprendre que lorsqu'on déborde le temps officiel de résidence en Turquie, il y a certaines choses qui peuvent s'appliquer. Il peut y avoir des amendes, il peut y avoir des sanctions. Alors, parmi cette sanction, il y a l'interdiction d'entrer en Turquie. Maintenant, lorsque vous êtes resté bien plus que votre visa ou alors votre résidence ne vous le permettait, vous avez donc des sanctions qui peuvent être financières et qui peuvent être aussi une interdiction d'être dans le pays ou alors une interdiction d'entrer dans le pays ou de revenir dans le pays. Ces deux interdictions peuvent également être combinées. Comment est-ce que ça se passe dans la pratique? Prenons un exemple simple. Monsieur Paul est arrivé en Turquie et il a pris une résidence peut-être d'un an. Après ces un an, la résidence n'a pas été renouvelée. Mais puisque Monsieur Paul avait des choses à faire en Turquie et qu'il ne voulait pas repartir directement, il a continué à rester en Turquie sans résidence. Et il est resté un an en Turquie sans résidence. Ou un an, ou deux ans, ou même plus. Est-ce qu'il est possible maintenant, après tout ce temps-là, à M. Paul d'avoir à nouveau un permis de résidence? Voilà la question fondamentale et ainsi simplement posée. La réponse à cette question, c'est malheureusement non. Il n'est pas possible à Paul d'obtenir un permis de résidence dans ces conditions-là, sauf s'il sort et il revient avec un visa et là, il fait une nouvelle application pour le permis de résidence. Dans ce cas, il peut obtenir un permis de résidence. Mais alors, dans quel cas Monsieur Paul peut obtenir un permis de résidence lorsqu'il est dans cette situation? Monsieur Paul peut obtenir un permis de résidence lorsqu'il est dans cette situation, mais quel type de permis de résidence? Un permis de résidence dit insanlik ikamet, c'est-à-dire que un permis de résidence humanitaire, un peu comme de réfugié, quelque chose comme ça. Mais humanitaire est mieux dit parce que ça inclut également, c'est-à-dire qu'il peut avoir que peut-être vous êtes menacé, votre sécurité est menacée dans votre pays, si vous le démontrez, peut-être on peut vous donner un permis de résidence humanitaire. Deuxième possibilité, c'est que peut-être vous êtes atteint d'une certaine maladie et vous êtes sous traitement. Et peut-être vous avez débordé et vous êtes sous traitement. Alors, on peut également vous donner ce type de permis de résidence. Un autre cas, c'est que peut-être vous êtes marié à un Turc ou à une Turque. Donc, on peut également donner ce type de permis de résidence avant de régulariser votre situation différemment plus tard. Une autre situation, c'est que peut-être vous n'êtes pas marié, mais peut-être vous attendez un enfant d'un Turc. Vous êtes peut-être une fille et vous attendez un enfant d'un Turc qui le reconnaît et tout. Donc, dans ce cas également, il est possible que vous ayez ce type de permis de résidence. Mais il y a tellement d'exceptions, ça se gère au cas par cas. Il y a tellement de contrôles et tout, de DLN, comme on dit en turc, c'est-à-dire d'évaluation, avant de vous donner ce type de permis de résidence. Maintenant, lorsque vous avez donc débordé votre temps de résidence officielle en Turquie, qu'est-ce qui s'applique? Il y a des amendes que vous allez payer à l'aéroport avant de sortir. Mais sachez que si vous ne payez pas ces amendes, il n'y a pas de problème. On va vous faire ce qu'on appelle une déportation, c'est-à-dire qu'on va vous amener dans votre pays. Mais maintenant, lorsque vous rentrez dans votre pays sans avoir payé ces amendes-là, vous avez automatiquement une interdiction de 5 ans de revenir sur le sol turc. Mais par contre, lorsque vous payez vos amendes, cette interdiction n'est pas de 5 ans, mais elle varie en fonction de la période que vous avez passée en irrégularité. Tenons par exemple,
Si vous avez passé de 3 mois, c'est-à-dire si vous passez moins de 3 mois, il n'y a pratiquement pas d'interdiction. Si vous passez de 3 mois à 6 mois, on vous interdit de revenir en Turquie après 1 mois. Donc, on vous donne 1 mois pour ne plus entrer en Turquie. Après 1 mois, vous pouvez bien sûr revenir en Turquie. Par contre, si vous êtes resté entre 6 mois et 12 mois en irrégularité, ce qui va se passer, c'est que on vous interdit d'entrer sur le sol turc pour une période de 2 mois. Si vous êtes resté entre 1 an et 2 ans, on vous donne une interdiction d'entrer sur le sol turc d'un an. Par contre, si vous êtes resté sur le sol turc entre 2 ans et 3 ans, on vous donne une interdiction d'entrer sur le sol turc de 2 ans. Pour continuer, si vous avez fait entre 3 ans et plus, c'est-à-dire que vous avez fait soit 3 ans, 4 ans, 5 ans en irrégularité, alors dans ce cas, vous avez une interdiction de revenir sur le sol turc pendant 5 ans. Donc, lorsque vous avez donc mis ces temps-là et que vous allez à l'ambassade pour demander le visa, dans le système, ils vont se rendre compte du temps que vous avez passé en Turquie en irrégularité et ces temps-là, n'est-ce pas, vont s'appliquer. Donc, ils ne pourront pas vous donner des visas. Donc, le conseil d'expert que je pourrais vous donner, c'est que lorsque vous vous retrouvez dans une situation irrégulière, n'attendez pas longtemps, prenez votre ticket si vous comptez passer du temps encore en Turquie, prenez votre ticket d'avion, rentrez dans votre pays, reprenez un visa pour revenir et postuler à nouveau pour un permis de résidence. Vous pouvez par exemple changer des catégories de permis de résidence. Vous pouvez par exemple vous inscrire dans une université, ce qui fait que vous pourrez avoir un permis de résidence étudiant qui va vous faciliter un certain nombre de choses. Mais attention, il va falloir que vous soyez vraiment étudiant parce que si vous n'allez pas au cours, ce permis de résidence sera simplement suspendu. Vous pouvez aussi envisager d'autres choses, mais la grande question c'est, est-ce que ça vaut la peine de s'accrocher à l'arbre Turquie? Est-ce qu'il n'est pas possible de faire autrement, c'est-à-dire d'ouvrir un business qui nous permet de partir, de revenir, de partir et de revenir? Mais cette question, c'est à chacun de donner la réponse correspondante à son statut particulier et à ses ambitions particulières. Nous ici, nous ne faisons que vous donner un point de vue et vous donner un peu plus de détails sur ce que prévoit la loi en Turquie. Si vous avez suivi cette vidéo, nous vous remercions et nous vous invitons à prendre votre cadeau parce que nous avons un cadeau que nous offrons à tous nos abonnés. Il s'agit d'un livre facile de lecture qui s'intitule « 9 produits de la Turquie » qui peuvent vous permettre de devenir riche très rapidement. Donc, c'est un livre facile de lecture que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. En partageant cette vidéo à vos proches, à vos amis qui s'intéressent à la Turquie, vous gagnerez aussi grandement parce que lorsque ce sont des idées, plus on partage, plus on est riche. Au revoir et à très bientôt. Au chacal. Bye bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du 24 au 25 juin 2022, ENG Consulting organise Giga Succès Istanbul Business. Giga Succès vous offre une occasion unique de côtoyer vos fournisseurs, de les comprendre et même de développer des projets communs avec eux. Alors, inscrivez-vous maintenant.